Marion ? Bah déjà, la maison Chanel, c'est une maison qui m'a toujours fascinée. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait rêver. C'est difficile à décrire, en fait. C'est difficile à décrire un rêve qui se réalise. J'ai senti un lien immédiat, en fait, avec le 5, qui est plus qu'un parfum, qui est une œuvre d'art. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et donc là, c'est le laboratoire, vraiment, de création. Bonjour. Je me souviens, quand j'étais adolescente, ma grand-mère m'avait offert Coco. Et donc, je l'ai porté. Et je me disais toujours que le numéro 5, c'était inaccessible. Et quand je l'ai senti pour la première fois adolescente, j'avais envie d'être une femme qui pouvait porter le numéro 5. Quand Agnès Bo a créé ce parfum, il a fait sentir cet essai à Gabrielle Chanel et lui a dit « Mais quelle est la matière première la plus riche en ce parfum ?» Il a dit « Jasmin », elle a dit « Bah, rajoutez-en ». Il lui demandait de faire un parfum d'une richesse inégalable. Je me sens très chanceuse de pouvoir continuer à faire vivre l'histoire de ce parfum mythique. C'est fort. C'est une histoire d'amour, assez joyeuse. J'ai ressenti cette femme pleine de joie, avec une grande liberté dans sa façon d'exprimer ce qu'elle ressent. On est au paroxysme, je pense, de ce sentiment amoureux avec deux forces humaines qui se rencontrent. Et il y a une danse entre les deux personnages, une danse qui ressemble à aucune autre. La robe dans laquelle je danse, c'est une robe dorée, c'est une réinterprétation d'une robe qu'avait portée Gabrielle Chanel. Un bijou. Voilà. Une robe dans laquelle j'ai vraiment pu bouger, parce que la chorégraphie, c'est pas juste une chorégraphie jolie et une petite danse. Non, c'est vraiment assez complexe. Bah, y a un mouvement qui est vraiment où je suis comme ça et j'avance tout de suite. Je pense qu'on peut remonter. My dear, would you do something for me? Yeah. And be my dancer? Yeah, super good. So good. Love it. Et cette espèce de légèreté, en même temps de profondeur, d'intensité, quelque chose d'aérien et de terrien, probablement ce qu'on ressent quand on est très amoureux. Je trouvais que c'était beau d'emmener le numéro 5 dans cet univers.